Là, nous sommes donc sur la commune de Fontaine-Couverte, en visite au Moulin des Gués, dans le cadre de la journée découverte qui est organisée tous les ans par le syndicat Initiative de Poincé. On essaie tous les ans de changer un peu de lieu et faire découvrir des endroits, des lieux, des sites qui ne sont généralement pas ouverts au public. Soit du domaine privé, soit ou quelquefois même fermés, qui sont ouverts exceptionnellement pour cette journée-là. On a fait une année sur les thèmes du jardin, on a fait donc une année sur le thème des forges, une année on a fait aussi le thème sur un bourg bien précis, Saint-Michel et Chanvaux. On a visité tout ce qu'il y avait sur Saint-Michel. Et cette année, donc, ça tourne autour des moulins. Donc ce matin, on a commencé au château du Bois Gélin à Armaillé. C'est un château 14e, début 14e, qui s'ouvre un petit peu au public dans le cadre des jardins ouverts. Après, on est venu sur Poincé visiter le Grand Moulin. C'est un moulin à eau qui fonctionnait il y a encore quelques 25 ans. Bien sûr, c'est un moulin qui faisait bien sûr de la farine, mais qui produisait de l'électricité. Et la commune de Poincé, c'est en 1917 qui a été une des premières communes à avoir l'électricité au niveau de la salle du conseil municipal. Alors là, donc, on est à Fontaine-Couverte. Et là, donc, Monsieur Lemoine, le propriétaire, donc, nous fait visiter toute la machinerie. Alors, il y a 35 personnes qui cet après-midi découvrent le moulin. Donc il y a un groupe qui est au rez-de-chaussée et puis l'autre groupe qui est à l'étage pour voir tout le système d'engrenage qui fait tourner le moulin. Et après, les deux groupes vont s'inverser. Suite à cette visite, on ira donc visiter l'abbaye de la Roue, avec un commentaire d'une historienne, et la journée se terminera là. Là, on ferme les ailes. Ah, mais d'accord, là, c'est ça. Parce que là, c'est pour ouvrir, et là, c'est pour fermer. D'accord, c'est pas le même. Vous avez des personnes qui sont forcément plus axées sur l'aspect histoire. Et puis d'autres qui sont plus curieux de la découverte des lieux. On a des personnes qui sont venues ce matin, qui étaient de Poitiers, qui étaient venues dans le secteur il y a quelques années pour en villégiature, en vacances, et qui sont revenus pour voir surtout le château ce matin, parce qu'il était passé, mais comme il n'est pas ouvert au public, donc ils n'ont pas pu voir. Quel genre de farine on fait? De la farine de blé noir? Qu'est-ce qui... Oui, maintenant le meunier, là, monsieur le moine au-dessus, il fait uniquement la farine de sarrasin, donc pour faire de la galette, quoi. Le 29 août est organisée une visite à Chartres, suite à l'apparition d'un livre d'André Naud et d'un collectif sur la famille Loire, une famille de Poincé. Donc il y a un voyage qui est organisé, sur inscription bien sûr, là, pour aller visiter entre autres les ateliers de Gabriel Loire, maître verrier, et ensuite visiter bien sûr la cathédrale et la vieille ville de Chartres.